بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، اليوم راح نديرو دي كيستيون كونسيرنون لي شامبينيون انفيريور ولي زيكزومبل اللي درناهم في هذاك لوكو. باش ما نطولش عليكم، نبداو لي كيستيون. كاين 5 كيستيون. مي كيستيون: كيلي لا ديفيزيون كونسيديري كوم ايتون لا باز دي شامبينيون؟ وهذه اللي ركزت لكم عليها بزاف في لوكو. لا ديفيزيون كونسيديري كوم ايتون لا باز دي شامبينيون هي لي كيتريديو ميكوتا. كيما قلنا سي لو بروميي اكزومبل في الكور نتاع لي شامبينيون انفيريور. اي كيل سون سي برينسيبو كاركتير اركايك؟ قلنا بلي لا باز، يقولها لا باز دي شامبينيون باسكو سي لو موانز ايفولوي اي لو بلوز اركايك. Ses principaux caractères archaïques sont thalsifonie, bien sûr, thalsifonie c'est un caractère archaïque, la vie aquatique, spore mobile et endogène. Thalsifonie, vie aquatique, spore mobile et endogène. Le spore d'Ahaouma, zoospore, qui sont mobiles et endogènes. Deuxième question. Que représente la moisissure blanche ou noire cotonneuse sur les fruits, légumes et pains? La réponse est la moisissure blanche ou noire cotonneuse sur les fruits, légumes et pains, les champignons de l'ordre des mucurales, sous-division de mucoronicotina. Troisième question. Les mucoromycotinins ont réalisé un caractère d'évolution. Lesquels? Les mucoromycotinins acquis un nouveau caractère, les voies, l'immobilité des spores. Par exemple, les spores asexués, les sporocystes spores sont des spores immobiles. Où l'immobilité des spores, c'est un caractère évolué. Où la mobilité des spores, qui m'a qu'aïn les chytridiomycota, c'est un caractère archaïque. On reprend la quatrième question. Les mucoromycotina restent des champignons inférieurs. Pourquoi? Les mucoromycotina restent des champignons inférieurs parce qu'ils sont gardés toujours le caractère du mycélium siphonné. Et de spores endogènes. Mais un mycélium siphonné. C'est un caractère archaïque. Donc, les champignons inférieurs. Ou les spores endogènes. Bien sûr, le caractère endogène, c'est un caractère archaïque. Le caractère exogène, c'est un caractère évolué. Donc, c'est pour ça que les mycoromycotina restent des champignons inférieurs. Cinquième question. Quel est le phénomène particulier retrouvé dans le cycle de vie des mycoromycotina? Le phénomène particulier retrouvé dans le cycle de vie des mycoromycotina, il y a la cystogamie. La cystogamie, puis ma fille Hatani, la formation de zygospore et la notion d'hétérotalique. Bien que nous sommes en fin de la vidéo, in asat femin Allah, in akhtat femini, wa min ash-shaytan. Nous allons voir la vidéo. Inch'Allah, nous allons les champignons supérieurs. Dérou moutaba'a la qanat ou fa'lou jaras, bach nous sommes comme kul jdid, bit tawfiq. Bon courage!